Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la vallée de la Gervanne au sud du Vercors compte 3000 habitants environ, soit 1000 de plus qu'aujourd'hui. On n'y est pas riche et la vie y est rude. 600 hommes environ sont mobilisés, dont 160 ne reviendront pas. Encore manquons-nous de précisions détaillées sur les blessés, qui ne pourront plus, par la suite, reprendre pleinement leur activité à la ferme. Nous avons à présent ces informations grâce à un groupe de généalogie locale très actif, qui a décidé de reconstituer l'arbre familial de chacun de ses poilus. Ainsi, ces militaires qui n'étaient pour nous que des uniformes dans des batailles confuses prennent de la consistance. On retrouve leurs racines, on peut les restituer dans la vie des familles locales. Ils ne sont plus anonymes, ils sont des nôtres. Cette longue enquête a débouché sur une exposition, mais pour y arriver, il a fallu une grande patience. Il manque une génération, parce que tu sais comme il s'appelle pareil, le fils. Mais attends, si lui est né en 1606, il serait né 92 ans avant la mort de son père. Et son père aurait eu au moins 112 ans, parce que en imaginant qu'il ait eu son enfant à 20 ans, qui est une moyenne... J'arrive sur le site des archives de la Drôme. Il y a un endroit où il y a marqué rechercher. Je fais recherche thématique. Et donc là, il y a tout ce qui est numérisé. Donc par exemple, on va rechercher dans l'état civil ce qu'on a fait. Donc partout, la commune, Beaufort. Oui, agrandi un peu. Bon. Beaufort. Et alors, entre. C'est ce qu'on avait fait pour trouver les tables annuelles des naissances entre 1870 et 1900, donc les gens qui risquaient d'être partis à la guerre.
Donc 91 combattants, 22 partis sans retour, 16 blessés, 4 ont été faits prisonniers, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah oui, donc j'ai fait aussi quelques petites recherches à travers ces registres matricules. Donc on voit que 35 hommes sont venus de villages de la vallée de la Drôme ou du proche d'Ivoire, les hommes qui sont venus travailler à Suze, qui se sont mariés, et que 11 venaient de l'Ardèche et 1 de Seine-Inférieure. Donc il y avait une grande mobilité, puisque une partie des Suzois nés à Suze eux-mêmes ont quitté le village, mais à peu près le même nombre de personnes sont venues habiter à Suze. Voilà. Et c'était essentiellement des cultivateurs. Hein. D'après les textes, on voit cultivateurs. Mais en fait, cultivateurs, dans certains cas, c'était des ouvriers agricoles, c'était des fermiers, ou ça pouvait être des cultivateurs qui épousaient quelqu'un qui avait une propriété à Suze. Seules les fiches matricules nous permettent de savoir si les personnes ont été mobilisées au front. Elles vont aussi nous donner d'autres informations, puisqu'elles nous disent quelles sont les personnes qui sont réformées et les personnes qui ont été mobilisées, mais n'ont pas été mobilisées au front. C'est-à-dire des personnes qui, parce qu'elles étaient gardes champêtres ou avaient une autre fonction importante pour la vie sociale, ont été maintenues en poste. Des personnes qui avaient des savoir-faire et qui ont été mobilisées dans des usines. Nous en avons à la cartoucherie à Valence, dans une usine au drap, qui je crois se trouvait à Die. Et puis, des personnes qui ont été maintenues dans des fonctions agricoles, comme un entrepreneur de battage, par exemple, qui était mobilisé, mais entre des périodes où il exerçait ses fonctions dans une entreprise de battage. Tous les hommes en âge de se battre, d'être en bonne santé physique, partaient. Oui, c'est un chiffre extrêmement important. Je crois que j'ai fait des calculs de pourcentage. Donc, les 91 combattants suzois, donc, représente 28% de l'ensemble de la population du village en 1911 et près de 82% des 111 personnes potentiellement mobilisables. Et donc celles qui n'ont pas été mobilisées au front sont 9 personnes ont été réformées dès le début de la guerre, parce que certaines personnes ont été réformées mais dans le courant des opérations, et 9 personnes ont été mobilisées autrement. 91, donc, qui ont été mobilisés. Combien de morts ? 22. 22 morts. 22. Est-ce que vous êtes capable de savoir le nombre de blessés ? Oui, il y en a. Les fiches matricules font état de 16 blessés, mais vraisemblablement plus, parce que je pense que les fiches matricules font état des blessés qui ont reçu des pensions. Il est possible que des personnes aient été blessées et n'aient pas reçu de pension. Alors sur ce fameux site dont on parlait, Mémoire des hommes, il y a maintenant l'accès à des informations concernant les personnes fusillées. Elles passaient en jugement. Il peut y avoir des personnes que l'on a accusées de s'être volontairement blessées. Il y avait des accusations de refus d'obéissance aux ordres. Mais nous avons aussi, sur le site du ministère des anciens combattants, les journaux de marche et des opérations. Et là, on voit dans quelles circonstances sont décédés nos soldats. Et j'ai lu ces circonstances, et là j'étais vraiment atterrée. Donc voici le récit de la bataille du Mont Sapignol, qui est fait par un officier. Et on voit que ce récit est très détaillé, comporte plusieurs pages, comporte un plan. Au cours de cette bataille, il y a eu 315 soldats disparus. À ce moment, une colonne allemande déboucha
d'étrangers étagés situés sur les pentes boisées nord-est de 263. Ça, c'est le numéro de la côte. Hein. Donc, on imagine des tranchées qui se trouvent en hauteur sur des pentes boisées. Se jeta baïonnette au canon et trompette sonnant sur le flanc et les arrières de la 17e compagnie. C'était les officiers qui rendaient compte et qui expliquaient et qui défendaient leur position. Pourquoi est-ce que... ils avaient initié tel ou tel mouvement, pourquoi ils avaient donné tel ou tel ordre. Il fallait absolument qu'ils défendent ce qu'ils avaient fait. Est-ce que vous confirmez une intuition qu'on a pu avoir, qui est que les appelés de telles régions géographiques, mettons pour nous le Crétois, si vous voulez, se retrouvaient plutôt dans les mêmes unités, peut-être pour, si j'ose dire, maintenir le moral. Effectivement, lorsque nous sommes réunis pour mettre en commun nos recherches, nous nous sommes rendus compte que beaucoup appartenaient au même régiment, évidemment pas forcément aux mêmes compagnies, voilà, mais et même comme je l'ai constaté, deux Suzois sont décédés pratiquement le même jour, au cours de la même bataille. Voilà. Ce qui est très frappant lorsqu'on vous écoute et lorsqu'on regarde votre documentation, c'est qu'on se rend compte que, alors qu'il y a une masse immense de soldats, on sait pour chacun quand même énormément de détails. Non. Tous les journaux de marche n'ont pas été conservés, vraisemblablement. Oui, on peut avoir beaucoup d'informations. Une famille qui n'a qu'un souvenir un peu lointain d'une personne décédée peut retrouver effectivement à travers l'état civil, à travers les fiches matricules, à travers les journaux de marche, beaucoup d'informations. Jusqu'à présent, on s'intéressait beaucoup aux personnes décédées à la guerre, tuées au front. On s'intéressait moins aux anciens combattants parce que on avait les récits de ceux qui étaient revenus. Mais il se trouve que nous sommes la dernière génération à avoir entendu ces récits de vive voix. Et je crois que c'est effectivement très important qu'on essaie de transmettre ces récits de vie, ces parcours, parce que maintenant, il va falloir faire ces recherches pour pouvoir les reconstituer. Donc, si l'on veut faire l'histoire des anciens combattants, l'histoire des personnes mortes à la guerre pour une commune, on n'a plus que la solution de faire ce type de recherche. On ne peut pas compter sur des archives par commune, par exemple. On ne peut pas dire à l'Office des anciens combattants, je foutrais les dossiers des anciens combattants de Suze, de Monclar, etc., parce que ce sont des dossiers qui, maintenant, ont été dispersés. Alors ça, c'est votre grand-père. Mon grand-père et ma grand-mère, donc Yvonne, qui était institutrice à Suze, et Paul, qui a été mobilisé au début de la guerre et qui n'est revenu comme les autres qu'en 1919. Ah, voilà. Ma grand-mère n'avait pas été élevée à la campagne. Elle avait, ouais. Et donc, connaissait mal les problèmes de la campagne. Et donc, tout d'un coup, elle a dû... prendre la succession à la ferme de son époux sur l'exploitation. Il y avait aussi ses beaux-parents qui étaient très âgés et elle-même avait un enfant en bas âge et c'était une toute jeune femme qui venait de la ville. Donc elle demandait beaucoup de conseils à son époux concernant la gestion de la ferme, de l'exploitation, savoir si tel prix était convenable. Par exemple, beaucoup de conseils. Là, c'était un
Italie, semble-t-il. Alors, aux armées, le 20 octobre 1917. Je dis 11 octobre. Qu'est-ce que vous diriez du moral qui ressort de ces lettres de votre grand-mère et de votre grand-père? Est-ce que vous, de temps à autre, vous sentez que, excusez-moi l'expression, mais que le moral est un peu à plat? C'est ce qui ressort de manière générale des lettres de 1917. Et l'habitude dans nos communes a été ces dernières années de lire des lettres d'anciens combattants. Donc à Suse, on a choisi des lettres parmi ces lettres qui ont été choisies parmi les lettres qui avaient exactement 100 ans. Et en 1917, la lettre est très pessimiste. En lisant les comptes rendus qui étaient parus dans la presse de ces lectures de correspondance reçues en 1917, je me suis rendu compte que c'était un cas absolument général, où il y a une rébellion en quelque sorte par rapport à la situation qui est vécue par l'ensemble des soldats. Les instituteurs avaient beaucoup d'autres fonctions que celle de faire la classe, uniquement la classe. Il y avait aussi une sorte de... C'était une sorte d'animation, je dirais, de la vie du village qui, pendant la guerre, passer à travers des sortes de cérémonies laïques avec des spectacles. Et puis aussi, il y avait différentes collectes pour les orphelins. C'est ça. Les enfants des écoles tricotaient aussi pour les soldats, bien sûr. Et donc, tricoter des écharpes, des gants, des chaussettes. Mais il y a eu sans doute beaucoup d'autres choses. Donc, programme des réunions civiques et familiales, le temps de guerre et le temps de paix. Et donc, c'était des veillées dans lesquelles il y avait des chants, des petites scénettes, des textes qui étaient lus et où était évoquée la mémoire des disparus. Il y a les chauds de Marignac. Bertrand, moi j'en ai aussi. Des habitants, il y en avait 578, d'après le recensement de 1911. Combien sont partis? Il y en a 82 qui sont partis. Des jeunes qui étaient nés entre 1872 et 1899. Et il y en a combien qui sont revenus? Il y a des morts, 22 morts pour la France, c'est-à-dire un quart. À Bécon, il y avait la papeterie, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient et qui étaient, vous la connaissez depuis pas mal d'années. Ils venaient à l'âge de 20 ans et puis voilà. Ils étaient souches, il y en avait 41 qui sont aussi partis. Ils ne font pas partie des 82. Donc ça fait 120 et quelques qui sont partis. Beaucoup d'ordre de choix. Pourquoi beaucoup d'Ardéchois? Parce que à cause du travail. À cause du travail, oui. C'était des gens qui avaient l'habitude de travailler dans l'usine et qui ne pouvaient plus vivre chez eux. Ils n'avaient plus leur place. Ils étaient trop nombreux, les Ardéchois. Ils avaient des familles, 12, 13 gamins, il en restait 8.
parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile, mais c'était 7 ou 8 de trop. Est-ce que tu sais sur les blessés? Sur les blessés, on avait fait, il y en a 20 qui ont été blessés. Donc 4 grièvement. 4, il y avait des gueules cassées, il y avait des gens qui sont revenus tuberculeux, il y en a qui sont. Il y a eu des prisonniers, 4. Il y a eu des gens qui ont eu des citations pour bravo ou compagnie, et des médailles, il y en a eu une quinzaine, en particulier je pense à ceux qui ont fait l'armée d'Orient. Il y en a quelques-uns qui avaient fait l'armée, qui étaient allés en Orient à partir de 16, 17, il y en a qui sont restés 2 ans là, et qui sont revenus en 19, parce qu'en Orient, la guerre ne s'est pas arrêtée au 11 novembre, hein. Elle continue un peu. Je crois qu'en Bulgarie, ça s'est arrêté au mois de juin. Est-ce que la généalogie te permet de voir une sorte de portrait de Mirabel et Blacon à l'issue de la guerre, notamment comment les familles se recomposent? C'est parce qu'évidemment, on pense aux gazés, on pense aux veuves. J'imagine que toi, les veuves, par exemple, tu dois avoir des traces. Il y en a quelques-unes qui se sont remariées. J'ai en tête là une veuve qui s'est remariée avec son beau-frère. Les deux frères avaient fait la guerre. Il y en a un, celui qui était marié, et qui s'est, d'une façon atroce, parce que je trouve ça atroce, il s'était marié 15 jours avant le départ. 15 jours. L'autre frère est revenu de la guerre et ils ont fait souche tous les deux. Ils sont remariés, ils sont restés en famille. On imagine que il y avait aussi à tenir la ferme, tout ça. Ben oui, les femmes, c'est atroce. Elles n'avaient plus rien. Alors elles ont fait tourner la ferme comme elles pouvaient. Avec toutes les tracasseries possibles imaginables, les réquisitions de bêtes, les... Et il n'y avait pas de machine. Et il n'y avait pas de machine. Et le peu de machine qu'ils avaient, c'était... Ils avaient une batteuse à Mirabel. Et celui qui savait la faire tourner était parti à la guerre. Alors même en 14, ils ont demandé à ce qu'ils reviennent. Au moins le temps de... On dit, il est sur le front, c'est fini. On ne peut rien faire. Les hommes étaient partis, c'est les femmes qui les ont remplacés. Hein. Même à l'usine. Hein. Et là, il y avait... Et les vieillards faisaient tourner la ferme. Tous ceux qui pouvaient. Et les gamins. Les gamins, dès qu'ils pouvaient tenir une pioche, ils travaillaient. Hein. À l'âge de 7-8 ans, ils tenaient, ils travaillaient. Selon leur force, mais... Évidemment que si on faisait partir tous les garçons de la même ferme, par exemple, ça va créer des situations, pour la, comme tu as dit tout à l'heure, absolument épouvantables. Est-ce que tu as l'impression que quelquefois on en tenait un peu compte pour en laisser un à la ferme ou... Des fois on les faisait revenir pour un temps, pour les récoltes, pour... Mon grand-père paternel, Espinas, il est parti fin août 14, et ils l'ont renvoyé au mois de septembre, à la fin septembre, pendant 15 jours, 3 semaines, pour faire les travaux à la ferme, et puis ils repartent. Voilà, surtout que là, c'était, il n'y avait aucune façon de faire les récoltes, il n'y avait rien de prévu. Ils sont partis comme ça du jour au lendemain. Et j'ai appris ce que j'ignorais totalement, que dans les hommes qui sont partis, il y en a qui sont partis jusque fort tard. Moi, je pensais que c'était 20 ans, 30 ans, allez, 35 si on veut, mais je comprends que c'est encore pire. On est allé voir dans l'étape décennale à partir de 1872. Et je sais qu'il y en a un ou deux dans la vallée de la Gervanne qui était de 71 ou 70. Hein. C'est-à-dire que... C'est la date de naissance. Calcul, ça faisait 42, 43 ans. Hein. C'est pas...
C'est impressionnant. Alors des fois, par exemple, mon grand-père, il était né en 73, je crois. Et il est parti. Hein. Bon, ils l'ont mis un peu à l'arrière. Mon grand-père, il était dans les voies de chemin de fer, les petites voies métriques, qui même pas métriques, qui amenaient les munitions, qui amenaient le ravitaillement sur le front. Il n'était pas vraiment au front, mais il était. Mais il avait 41 ans quand il est parti. On dit qu'on a plus envoyé au front, au sens propre, c'est-à-dire la ligne de front, des campagnards, parce qu'on les trouvait plus. C'est vrai? Oui. Oui, oui. Campagnards, on les a. Puis il y a des régiments qui ont été faits rien qu'avec certaines régions, comme tu disais. Mais là, j'ai pas trouvé ça ici. Il faudrait regarder avec tous les régiments et savoir. Parce qu'ils étaient plus solides, c'est ça le. C'est pour ça qu'on les a envoyés sur la ligne de front, quoi. Oui, ils étaient peut-être plus habitués au mauvais traitement du temps de. Même des patrons. Plus malléables. J'ai trouvé des insoumis. À Blacon, il y a eu deux insoumis. J'ai des gens, la plupart du temps, qui en 17 avaient été blessés et qui ont été envoyés en convalescence et qui ne sont pas rentrés. Alors il y en a au moins deux qui ont été repris et condamnés à, je ne sais plus, 25-30 ans de. Et ils ont été amnistiés dans le début des années 20. 1917, c'était le moment des grandes rébellions, des grandes. Voilà, la guerre de 14, c'est une absurdité totale. Alors on s'est battu pour l'Europe entière, hein, pas simplement pour la France. Mais il y a quelque chose que chez nous a changé le regard de beaucoup de gens, c'est le départ à la guerre du clergé. Le clergé était au coude à coude avec les gens de toute provenance, dans les tranchées. On voit bien, après, que les combats avec ce que j'appelle les laïcars se sont calmés. Cette mobilisation a été une grande mobilisation puisque tous les hommes ont été amenés à rentrer dans le conflit. Des hommes dont l'espérance de vie à l'époque était de 45 ans. Hein. Or, donc, tous ces hommes ont été amenés à rentrer dans le conflit. Il y a eu, donc on a vu qu'à Suse, 28% de cette population était au front. Donc les récits sont revenus dans les familles. Cette guerre a énormément, je pense, marqué les esprits pour des décennies.